De TV 78 se poursuit à l'Université des Mairies. Et durant les 20 prochaines minutes, nous allons parler d'offres de santé et de déserts médicaux avec mes trois invités. Didier Bécher, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la première circonscription des Yvelines. Vous étiez notamment vice-président de la commission d'enquête parlementaire sur l'égal accès aux soins et sur les dispositifs de lutte contre les déserts médicaux. Philippe Benassaya, bonjour. Bonjour. Maire de Bois d'Arcy, conseiller départemental et président d'Ingénierie. Vous accompagnez les communes dans leurs projets d'urbanisme, notamment dans le développement des maisons médicales. Et Michel Poirot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint au maire de Triel-sur-Seine en charge de l'urbanisme et vous avez mené le projet de maison de santé pluridisciplinaire Henri Dunant sur votre commune, un établissement qui sera inauguré en décembre 2019. Oui, voilà. Et la date est pratiquement fixée, ce sera le jeudi avant les vacances de Noël. Voilà, donc un établissement que vous allez nous en parler, la manière dont vous avez construit ce projet depuis 2014. Alors commençons d'abord par un diagnostic. Dans les Yvelines, on compte aujourd'hui plus de 2000 médecins libéraux, dont la moitié sont des généralistes, un âge moyen de 53 ans pour les généralistes, de 64 ans et demi pour les spécialistes. De nombreuses communes sont placées par l'Agence régionale de santé en zone d'intervention prioritaire, c'est des communes qui sont reconnus comme déserts médicaux, des situations différentes en fonction des territoires, zones urbaines et zones rurales. Alors il y a ces chiffres et puis il y a les conséquences sur le terrain. Je commence avec vous, Didier Bécher. Comment vous ressentez-vous sur le territoire des Yvelines le phénomène de désert médical ? Ah bah, je pense qu'il n'y a pas une ville dans les Yvelines. Vous savez, souvent, désert médical, on pense zone rurale, etc. Mais même les grandes villes très denses, moi je pense à Versailles en particulier, sont des déserts médicaux. Je vous donne juste un chiffre comme ça qui me frappe toujours. Quand on regarde le nombre de médecins pour 100 000 habitants, entre l'Île-de-France, les Yvelines et le reste de la France, vous avez 285. Quand je dis médecins, c'est médecins, kinés, enfin tous les paramédicaux. 285 pour les Yvelines, 400 sur l'Île-de-France et 380 sur le reste de la France. Donc les Yvelines est un des départements les plus mal dotés en capacité médicale aujourd'hui, alors qu'on a potentiellement, enfin je veux dire, il fait bon vivre dans les Yvelines, hein. Donc on voit bien que si des décisions comme la suppression du numerus clausus et plein d'autres, enfin on aura probablement l'occasion d'en parler du projet de Ma Santé 2022, ne sont pas mises en place, on aura beau construire, et c'est vrai que le département fait un effort financier considérable pour aller construire des maisons de santé, mais les murs ne suffiront pas, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à remplir les maisons de santé parce qu'on va manquer de médecins, de paramédicaux, etc. Et donc l'enjeu aujourd'hui, il est de former plus de médecins. Et puis aussi, je crois, de repenser la manière de faire la médecine. Et là, il y aura des enjeux, je pense au niveau des municipalités, ce sera un enjeu très important des élections municipales, de savoir comment une agglomération, à un moment donné, peut coordonner ses soins avec l'ensemble du dispositif médecine de ville, hôpital, etc. Et ça, c'est un enjeu de Ma Santé 2022. Philippe Benassaye, je le disais dans l'introduction, le conseil départemental s'est saisi de ce problème. Comment est-ce que vous avez de nombreux maires qui vous contactent justement pour les aider ? Énormément. Monsieur le député le disait il y a un instant, c'est vrai que c'est un sujet de santé publique, mais à la fois aussi un sujet d'attractivité du territoire. Le problème de la santé est un problème d'enjeu territorial. On est confronté aujourd'hui à non seulement un désert médical en milieu urbain, en milieu surtout rural aussi, et il fallait surtout apporter une réponse rapide. Parce que c'est vrai qu'il y a pénurie de médecins, tellement de pénurie de médecins généralistes, je pense, dans les Yvelines, mais énormément de spécialistes, d'infirmiers, énormément d'infirmiers. Il y a tous ces sujets-là et il a fallu apporter une réponse. Alors, je ne sais pas si je dois apporter la réponse tout de suite, si j'ai le temps. On a peut-être un peu le temps, mais c'est vrai que l'effort du département est très, très important puisqu'on a mis quand même 32 millions d'euros sur la table en 2017 lors du premier appel à projet. Et on parlera peut-être dans le détail de toutes les maisons médicales que l'on finance aujourd'hui, soit via directement le département, soit en aidant les communes. Donc on a énormément d'appels à projets, énormément de projets, et ça c'est quand même une réponse rapide à ce problème. On reviendra justement sur l'action du gouvernement, du département et du gouvernement aussi. On va évoquer le plan gouvernemental Ma Santé 2022. Mais d'abord, Michel Poirot, comment vous êtes saisi du problème en 2014 par rapport à ce phénomène dans votre commune à Triel-sur-Seine ? Eh bien, tout simplement, dès le soir du deuxième tour des élections municipales, un Triellois que je connais bien, mais pas suffisamment manifestement, est venu m'entretenir de toute l'assistance qu'il apportait à sa compagne depuis des années et de la crainte partagée par beaucoup de Triellois dans la même situation
de voir les médecins disparaître. Effectivement, la situation des Yvelines, vous l'avez rappelé à juste titre, est inférieure. Enfin, nous avons une moins forte densité de soignants que dans d'autres départements. Mais Triel se situe en dessous de tous les critères yvelinois. Et bon, je dirais, c'est comme l'élève qui est juste en dessous des moyennes partout. Au final, ça fait un très mauvais bulletin. Et donc, à Triel, c'est bien ce qui est annoncé. Ce qui était annoncé, juste ce qui manque de soignants pour les Triellois. Donc, un besoin. Et puis, une annonce de grands départs qui allaient arriver les uns derrière les autres. Et il était temps de faire quelque chose pour que la commune soit un peu plus attrayante pour de jeunes professionnels venir s'installer. C'est ça la problématique aussi, c'est que beaucoup de médecins partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Un problème, le gouvernement l'a saisi de cette manière en tout cas, il y a un problème de formation peut-être, et justement que de lancer plus rapidement sur le terrain les jeunes, et notamment le développement de stages et la fin du numerus clausus. Le numerus clausus, bon déjà c'est quelque chose, la fin du numerus clausus, donc on va faire qu'on pourra former plus de médecins, mais avec un effet qui sera dans 10 ans. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à intégrer dans les projets de maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc quand on dit pluriprofessionnels, c'est pas uniquement des médecins généralistes, hein, c'est des kinés, c'est des diététiciens, des psychologues, des infirmières. Arriver à intégrer en fait des étudiants qui vont avoir un angle d'apprentissage de leur métier qui n'est pas que l'hôpital. On a eu tendance jusqu'à maintenant à former essentiellement des médecins à travers un cursus hospitalier. Et donc quand vous vous retrouvez seul à exercer la médecine générale, vous ne voyez pas forcément les avantages. Une maison pluriprofessionnelle, c'est plusieurs professionnels de santé, donc un peu comme dans un hôpital finalement, et qui va donner, enfin en tout cas c'est l'engagement qu'on essaye de faire, enfin de susciter, va donner envie à plus de jeunes d'aller vers la filière médecine généraliste. Je voudrais dire aussi que ces maisons pluriprofessionnelles, c'est aussi un projet politique. Je prends l'exemple de Montigny-le-Bretonneux. Si vous avez aujourd'hui une des plus abouties, en tout cas au sens pluriprofessionnel de l'ARS de maisons de santé, c'est parce que Nicolas Abouille, donc il y a déjà de très nombreuses années, avait eu cette vision de la santé est un élément extrêmement important de la politique de la ville. Et les villes qui se sont préoccupées très tôt de cette problématique de santé peuvent aujourd'hui avoir des maisons pluriprofessionnelles de santé matures et qui vont répondre à un besoin des habitants. Ce n'est pas qu'un problème de mur, j'insiste, hein, parce qu'il y a beaucoup de maisons de santé, malheureusement, qui sont construites avec des aides diverses et où il n'y a pas de médecin à l'intérieur. Vous parliez des communes qui saisissent de ce problème, mais il y a aussi le département. D'ici à 2022, le département va investir, vous l'avez déjà dit, hein, 32 millions d'euros pour construire des maisons médicales. Alors, construire des maisons médicales pour les communes, mais c'est aussi des maisons médicales qui vont appartenir directement au département. C'est ça. On a retenu 20 projets, je crois, en 2017. Il y en a 10 qui est porté directement par le département, donc appartenant au département, et 10 avec une aide financière aux communes. Et il faut savoir que sur ces 10, il y en a... sur ces 20 projets, il y en a 9 qui sont installés en commune rurale. Benne, Bonnel, etc. etc. Il faut savoir aussi ce qu'on disait un petit moment, c'est que le métier de médecin aussi a changé. Les attentes du médecin changent. Le médecin de campagne ou le médecin famille est en train de disparaître. Aujourd'hui, le président Larcher le disait ce matin, en Saône-et-Loire, la Saône-et-Loire a salarié 37 médecins. Donc ça veut dire qu'on est en train de plus en plus de changer le statut du médecin qui vient dans nos communes. On le reçoit. Moi, je suis maire aussi. On le reçoit. Ils me disent, moi, je veux être salarié. Je ne sais pas si c'est une généralité, mais c'est vrai qu'il y a maintenant ce souci qui est très important. Je reviens sur les 20 projets et puis après. Sur les 20 projets, c'est que ce sont des projets ambitieux. On a inauguré il y a quelques mois la maison médicale d'Aubergenville. C'est plus de 387 000 euros d'investissement. C'est quand même important. Bien sûr, partagé entre l'ARS, les communes, le département. Et pas uniquement des médecins généralistes, parce qu'il y a deux sages-femmes et un absolument, ostéopathe. Absolument, c'est vrai. Voilà, donc voilà une action du département et voilà surtout des réponses précises à ce sujet. Et on voit très bien, et mon collègue du département l'explique très très bien, c'est que au-delà encore une fois du soutien financement et des murs, c'est la transformation du métier de soignant. Donc on le voit, alors donc vous avez, je ne veux pas parler de trucs trop techniques, mais sur le GHT Sud et sur le GHT Nord, en fait la coordination entre l'hôpital et la médecine de ville est extrêmement importante parce qu'il faut qu'il y ait cette continuité. C'est le parcours de santé aussi, parce que c'est complémentaire avec la question des déserts médicaux finalement, parce que dans des zones rurales, finalement, les patients n'ont pas du coup de rendez-vous directement avec le médecin et ils vont aller aux urgences. Et c'est là où on a le phénomène aussi de saturation des urgences. On reviendra justement sur cette question complémentaire. Michel Poirot, on voit que le département vous a aidé pour développer votre maison de santé pluridisciplinaire. Mais comment, pour les maires qui sont présents et pour les élus qui sont présents aujourd'hui ici, comment vous avez fait
Vraiment, concrètement, comment vous avez fait pour monter ce projet depuis 2014? Oh, on a fait beaucoup de choses et qui illustrent les propos précédents. Donc, tout d'abord, on a travaillé en étroite collaboration avec les médecins. On a réuni, ça ne leur était jamais arrivé, on a invité les 46 professionnels de santé triellois. On en a réuni une trentaine dans une salle. Dans les quelques mois qui ont suivi, on avait 17 lettres d'engagement donc qui permettaient de démarrer. L'un des futurs retraités s'est vraiment attelé à la tâche avec moi. Entre autres péripéties, on est allé jusqu'à tenir salon à la faculté de médecine à Saint-Quentin en Yvelines. Donc, lors d'une manifestation des étudiants, imaginez un congrès et vous avez les exposants. Et donc, nous étions avec 28 autres communes yvelinoises. Essayer d'attirer des médecins, en fait, dans vos communes. Absolument. Quoi, ça vous ramène à beaucoup de modestie sur l'attraction de votre ville. Et alors, qui plus est, quand nous avons appris qu'il y avait une autre salle dans laquelle il y avait autant de communes du Val-d'Oise qui portaient leur projet, nous avons fait des contacts, hélas, pas avec suffisamment d'internes, et encore que si, certains sont venus. Ah, Triel, mais c'est où? Oh, comme, alors la carte, bien sûr, mais c'est loin. Bon. Avons rencontré aussi, pour abonder le propos tout à l'heure, des collègues qui avaient déjà une maison médicale vide. Donc, la maison médicale est un moyen, c'est une condition nécessaire pour attirer des professionnels. Ceci dit, elle n'est pas forcément suffisante. Et il y avait un pari. Et en tout cas, ce pari, si nous n'avions pas eu l'équipe médicale mobilisée pour faire venir d'autres collègues plus jeunes et donc démontrer la volonté d'un exercice pluridisciplinaire, d'un projet de santé pour la ville, la municipalité à être toute seule, je crois qu'elle n'y serait pas arrivée. Et il y a un acteur clé, hein, c'est l'URPS qui vous accompagne aussi. Ah. Hein. Les élus locaux, les maires doivent contacter l'URPS pour être accompagnés dans ces projets-là. Hein. Alors, à tout niveau. Donc déjà, la crédibilité du maire pour rassembler tous les professionnels de santé, elle est certaine, mais l'URPS, ils ont la méthode, ils ont l'expérience, ils ont le savoir-faire. Donc, depuis fin 2014, je dirais qu'à chaque étape, on a pu s'appuyer sur le savoir-faire de l'URPS. Donc, en termes, encore une fois, de méthode, que ce soit tant dans l'animation du groupe de professionnels de santé, ensuite dans la définition du projet avec les professionnels de santé, et puis l'architecte. Et aujourd'hui encore, c'est dans la fin des travaux, on a toujours l'URPS qui veille au grain, si je puis dire. Et puis, bien entendu, vous avez fait allusion au dispositif de la région, du département, de l'État, de l'ARS. Mais toutes ces adresses, l'URPS nous les a présentées à la technique de montage du dossier. J'avoue que c'est... Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça a c'est été le contact clé pour les maires, en tout cas, qui connaissent ces difficultés de manque de médecins sur leur territoire. Bien sûr. On a eu quelques promoteurs spécialistes de la maison de santé qui sont venus nous vendre d'abord un savoir-faire immobilier. Mais ça, l'EPF nous avait aidés sur l'immobilier. Ce n'est pas le sujet. Mais donc l'URPS, pour nous, a été la clé de la réussite de ce projet. Je passe à une autre question, mais c'est lié parce que... Michel Poirot a cité plusieurs collectivités, régions, départements, communes. Philippe Benassaya, je me tourne vers vous. C'est une idée qui a émergé. C'est Pierre Bédier qui en parlait, de départementaliser la compétence santé aujourd'hui, qui est peut-être un peu trop centralisée, même au niveau régional, hein, l'ARS, l'Agence régionale de santé. En quoi départementaliser cette compétence serait pertinent? Eh bien, je vais vous raconter une anecdote, un exemple. Je suis président d'une agence qui s'appelle Ingénierie, qui est une agence d'aide aux communes rurales, une AMO, comme on dit. Avant, c'était l'État qui le faisait. Maintenant, c'est le département qui le fait. On est au plus près des maires et on est au plus près des projets que portent les communes rurales. Je pense qu'on peut peut-être réfléchir à une départementalisation des questions de santé parce que plus on va et plus on va se rapprocher du terrain. Je prends par contre l'appel à projet qu'on a lancé en 2017. C'est pas simplement
ouvrir des maisons médicales. C'est aussi de l'aide au secrétariat. L'accompagnement aussi. C'est l'accompagnement pour les jeunes médecins. C'est une offre qui est incroyable. Jamais un département n'a autant investi sur les problèmes de santé que le département des Yvelines. Je le dis vraiment parce qu'on a fait notre benchmark quand même. Donc on a regardé. C'est vrai que c'est très très important. Et le deuxième appel à projet qui va arriver en 2020 va être encore plus ambitieux. Donc je pense que c'est une piste qui est plutôt intéressante. Didier Béchard, je me tourne vers vous, hein, parce que vous êtes le parlementaire, vous êtes directement en contact avec le gouvernement. On sait qu'il y a une réforme sur les collectivités territoriales qui est en préparation. Est-ce qu'on pourrait intégrer justement cette réforme de transférer la compétence santé au département ? L'ARS est déjà départementale. Hein. Donc je pense qu'on traite de deux sujets. C'est-à-dire que vous avez l'ARS régionale Île-de-France, mais après, là, c'est bras armés dans chacun des départements. Oui, oui. Et quand vous allez à une réunion... Mais plutôt, des services déconcentrés. Hein. Oui, mais quand vous allez à une réunion aujourd'hui pour trouver du financement, je travaille sur des choses avec l'hôpital Mignot, par exemple, vous avez systématiquement la CPAM 78, l'ARS 78 qui sont là pour voir le sujet du financement. Moi, je crois qu'il faut faire très attention à ces sujets. L'enjeu, et on l'a très bien dit dans ces exemples, l'enjeu, il est une transformation métier extrêmement importante et aussi une transformation des systèmes d'information. Il y a un très bon exemple dans les Yvelines, hein, puisque c'est sur le GHT Sud, en fait, qui avait commencé à travailler sur un système d'information commun pour que si vous voulez... J'essaie de prendre un exemple. Hein, si vous essayez de désengorger les urgences, il faut que les urgences, le SAMU, aient l'information de quels sont les professionnels et quelles sont les maisons de santé qui sont disponibles pour éventuellement vous accueillir plus près de chez vous plutôt que d'aller faire le déplacement jusqu'aux urgences, ce que vous disiez tout à l'heure. Tout cet investissement informatique, donc il y a une décision dans le cadre du budget Ma Santé 2022 qui a été prise pour harmoniser au moins au niveau régional, donc Île-de-France en l'occurrence, le système d'information. Parce que sinon, on va continuer à rester, enfin les médecins et les professionnels de santé, sur une coupe unique qui est Doctolib, en fait, hein, qui commence à distribuer la médecine un peu comme ça, en ubériser la médecine. Or, c'est extrêmement important que les professionnels de santé se ressaisissent du sujet. Après, il y a des décisions très concrètes dans le budget donc on est en train de discuter en ce moment, donc qui sera en place pour le 1er janvier. Vous avez alors le budget santé, hein, pour avoir voir de quoi on parle, c'est le budget global santé vieillesse, c'est 505 milliards, et la partie santé, c'est 200 milliards. Dans ce budget des 200 milliards, il y a à partir du 1er janvier la suppression des cotisations sociales pour les jeunes médecins qui s'installent pendant 2 ans. Donc ça, c'est un élément pour que les maisons de santé se remplissent aussi avec des jeunes médecins, pour qu'il y ait un renouvellement générationnel qui s'installe. Moi, je ne crois pas trop à... Encore une fois, les compétences, je crois que c'est en mettant les gens autour de la table qu'on arrive à faire des beaux projets. C'est pas pour rien que vous avez un GHT Sud et un GHT Nord, parce que géographiquement, dans les Yvelines, vous avez vraiment deux territoires qui sont différents. Et chacun essaye de coordonner, dans sa logique, le territoire de santé. Et ça peut pas se faire sans les maires, sans les agglomérations et sans le département. Donc finalement, c'est complémentaire. Il n'y a pas besoin de la compétence. C'est le principe de subsidiarité qui doit s'appliquer, en fait. C'est-à-dire... Bien sûr, parce que les médecins, eux, ils sont toujours au même endroit. Donc ce qu'on veut faire, hein, c'est la continuité entre la médecine de ville et l'hôpital. Donc il faut à un moment donné aussi amener des médecins. Et vous en avez au SAMU qui participent au tri. Je travaille dans un cabinet et je vais donner des heures aussi au centre de tri du SAMU à l'hôpital Mignot pour savoir ce qui se passe. Et ça, ça va générer des choses comme je veux être salarié ou je veux être payé en frais médicaux. Donc, il faut aussi qu'on ait des dispositifs qui soient extrêmement agiles. Je partage en partie, mais en partie seulement, parce que je trouve qu'il faut aller plus loin. On est devant un gros problème, un grand défi de désertification, un grand défi d'enjeu du territoire. Je pense que c'est très bien, et vous l'avez rappelé, que chacun reste à sa place et que chacun se mette autour de la table. Je pense qu'il faut aller plus loin maintenant. Je pense qu'il faut se rapprocher de plus en plus des territoires, plus en plus des communes. Et c'est une tendance qui est plutôt naturelle aujourd'hui. Je pense que il y a une sorte de décentralisation, deuxième, troisième, quatrième étape, je ne sais pas comment on dit, de décentralisation qui fait qu'on va faire redescendre de plus en plus les sujets vers le terrain. Et je pense que c'est inéluctable. Un dernier mot, c'est pour ouvrir, relancer enfin, la question par rapport au parcours de santé. On va conclure avec cette thématique. Je me tourne vers vous, Michel Poirot, parce qu'on sait qu'à Trieul-sur-Seine, vous êtes juste à côté de l'hôpital des Mureaux, un centre hospitalier au Mureaux. Est-ce qu'il y avait ce phénomène, justement, où les patients, vu qu'ils n'ont pas de rendez-vous médical sur Trieul, eh bien, ils vont au centre hospitalier le plus proche? Je ne suis pas en mesure de vous répondre précisément. Par contre, les statistiques de santé montrent que les médecins triellois, jusqu'à peu, sur la consommation médicale à Triel, les médecins triellois en assurent 49%. Donc les 51 autres % sont faits à l'extérieur.
Donc il y a ce qu'on appelle un nomadisme. Enfin voilà. Justement sur ce parcours de santé pour conclure. Il faut, enfin, il n'y a pas de miracle en fait sur le parcours de santé. C'est qu'il faut à un moment donné que vous ayez un hôpital territorial qui soit en capacité de coordonner les maisons pluriprofessionnelles pour ce qu'on appelle la bobologie, en fait, ce qui n'est pas une urgence absolue vitale, puisse être traité en médecine de ville dans les maisons de santé à ce moment-là. Benassaya, vous êtes d'accord? D'accord. Rien à rajouter. Merci à tous les trois. Oui. Si je puis me permettre, le statut de maison de santé pluridisciplinaire, avec une contrainte notamment d'amplitude, dans la journée d'une part, mais aussi le week-end, enfin le samedi d'une part, et puis le projet de santé de l'équipe répond en grande partie à ce traitement de la bobologie. J'en veux pour exemple un médecin est venu expliquer à ses collègues triellois. Dans son cabinet, dès lors qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent avec de la fièvre dans le courant de l'hiver, donc ils déclenchent un plan qu'ils ont mis au point, plan grippe. Donc un des généralistes ne prend plus que des gens au fur et à mesure, sans rendez-vous, etc., en vue de la grippe. Donc ça fait aussi partie de l'offre qui permet de faire la jonction avec le désengorgement des urgences, etc. Merci, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Et puis l'émission spéciale de TV78 se poursuit à l'Université des Mairies.